Bon dimanche à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du monde pour cette nouvelle édition de votre amphithéâtre dominical, politiquement incorrect. Des éléments de l'organisation dénommée Brigade Anti-Sardinard ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. C'était au sein de la capitale suisse où séjourne le couple présidentiel. Dans cette édition de Politiquement Incorrect, ce dimanche, nous tenterons de comprendre la récurrence des manifestations de cette organisation qui est constituée pour la plupart de quelques Camerounais issus de la diaspora, mais également les bases légales et légitimes d'une telle manifestation qui, selon quelques réactions de leaders politiques, vise à jeter l'opprobre sur les institutions républicaines du Cameroun. Le sujet est donc inscrit en première dorsale de cette émission Politiquement Incorrect ce dimanche. En deuxième partie de cette émission, nous parlerons de cette élection municipale et législative qui est donc projetée pour le 9 février prochain. Le projet de loi relatif a d'ailleurs été déposé sur la table de l'Assemblée nationale du Cameroun, jugée cette semaine recevable par la conférence de présidents. L'élection qui est donc projetée nous amènera à nous questionner sur le rôle de l'opposition au Cameroun. Cette opposition peut-elle véritablement inverser le rapport de force au cours du scrutin qui est annoncé en février prochain? Le sujet sera donc en débat en deuxième partie de cette émission. Et puis, suite à l'accident de circulation qui a fait, selon le bilan officiel rendu public dans un communiqué signé par le porte-parole du gouvernement René Emmanuel Sadi, survenu près de Banka, c'est dans la région de l'ouest du Cameroun, 21 morts au total selon ce communiqué officiel. Peut-on véritablement stopper la saignée sur les routes du Cameroun? Le sujet sera inscrit en dernière partie de cette émission ce dimanche. Vous le savez, le code de conduite reste inchangé. Ne rien dire pour plaire, tout dire pour construire. A tout de suite. Rappelons que cette émission ce dimanche est également à suivre en direct sur notre page Facebook. Vous pouvez également donc réagir sur cette page Facebook et réagir également par SMS sur le code d'accès qui va s'afficher au bas du petit écran et apporter votre contribution aux trois sujets inscrits à l'ordre du jour de cette émission ce dimanche. Je décline rapidement le profil de ceux qui ont bien accepté, malgré l'intempérie, de nous rejoindre ce dimanche pour cette émission Politiquement Incorrecte. Je vais commencer par le président Dieudonné Yebda, qui est le président national du MANIDEM, le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Monsieur le président, bon dimanche et merci de nous avoir rejoints. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision du monde. C'est un plaisir d'être ici ce matin pour discuter des sujets importants qui honorent ou déshonorent notre pays. Juste en place, en face de vous présents, on a Valérie Mandenga qui est ici pour représenter ce dimanche le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Valérie, bon dimanche et merci de nous avoir rejoints. Bonjour Monsieur Sandio, bonjour à l'ensemble des copanélistes présents sur le plateau et bonjour, un bonjour fraternel aux populations qui nous suivent en ce moment. Juste à côté de Valérie Mandenga, on a le représentant du social-démocratique Front, il s'agit d'Emmanuel Cougnier. Bon dimanche Emmanuel. Bonjour Yves, merci de me convier à ce débat dominical. Je dis bonjour à tous mes copanélistes, je salue les millions de téléspectateurs de la télévision LTM, j'espère que une fois de plus, nous allons être à la hauteur de leurs attentes et que nous allons éclairer leur lanterne, n'est-ce pas, pour ce qui est des sujets qui sont mis au programme. Un autre Emmanuel qui est avec nous ce dimanche, il s'agit du docteur Emmanuel Sonquin, chercheur en sciences politiques. Docteur Emmanuel, bon dimanche et merci de nous avoir rejoints. C'est un plaisir pour moi d'être à cette table à chaque fois. Je profite de l'occasion pour une fois de plus saluer mes copanalystes et les millions de téléspectateurs qui nous regardent. Et nous croyons que du débat jaillira effectivement la lumière. Et puis, le dernier à nous avoir rejoint ce dimanche, il s'agit d'Abel Elimbé-Lobé, qui est donc l'initiateur de la plateforme Kaoutal. Abel Elimbé-Lobé, bon dimanche. Merci Yves Sandio et bonjour également à tous les autres panélistes, à vos nombreux téléspectateurs qui doivent certainement être en train de souffrir, comme nous, de la dégradation de l'image de notre pays. Et j'ose croire qu'on en parlera parce que je suis très remonté.
Je voudrais donc qu'on entre vivement dans le débat avec cette première thématique, Abel Elimbi Lobet. Je vais peut-être commencer par Valérie. Valérie, cette semaine, le journal de Dieudonné Vahin, en réaction justement aux multiples manifestations observées à Genève où le couple présidentiel est en court séjour, avait annoncé que finalement le secrétaire général du comité central avait abandonné le chef de l'État. Il s'agissait d'une posture qui semblait dire que le RDPC, jusqu'encore il y a quelques jours, n'avait pas réagi à la suite de ce que l'on appelait une offense aux institutions observée du côté de Genève. La réaction est pratiquement arrivée, c'était le 27 juin dernier, où effectivement le RDPC, à travers son comité central et son secrétaire général, a donc décidé de condamner avec la dernière énergie les manifestations observées du côté de Genève. Quelle est votre réaction aujourd'hui à la suite justement de cette interpellation de la presse qui estimait que finalement les camarades du parti avaient abandonné quasiment le chef de l'État face à cette manifestation annoncée par les éléments de la brigade anti-Sardina? Écoutez, M. Sandio, je laisse la responsabilité à cet organe de presse qui a bien voulu titrer de façon théâtrale la retenue observée par nos camarades du comité central. Cependant, et je pense que vous avez si bien fait de le rappeler, le camarade secrétaire général Kuete a rappelé dans une note qui est parue, ça fait pratiquement deux jours, le soutien indéfectible du Rassemblement démocratique du peuple. Est-ce que la réaction n'est pas tardive, Valérie? C'est peut-être là la question. Le chef de l'État a quitté le Cameroun depuis le 23. La première manifestation a eu lieu quasiment quelques jours après son arrivée du côté de Genève. Vous avez pris du temps au niveau du RDPC pour réagir. Pourquoi? Monsieur Sandio, nous ne sommes pas dans un ping-pong de timing. Ici, le parti est suffisamment hiérarchisé pour que qui de droit puisse savoir à quel moment prendre la parole. Cependant, je reviens vers les événements dont vous faites fi. Effectivement, un groupuscule qui se dénomme Brigade Anti-Sardina avait déjà projeté, avant hier, ils avaient déjà projeté en début de semaine une incursion dans l'hôtel où séjournait le président de la République. Je me dois juste d'observer que je peux le regretter que la rédaction de la télévision du Monde n'ait pas convié à ces débats un élément du mouvement de la Renaissance du Cameroun. Parce que comme vous le savez très bien, ce mouvement n'est pas étranger à tout ce qui se passe depuis un certain moment. Je voudrais rappeler ici, M. Sandio, que le président de la République est une institution. Et il incarne une institution. Et par conséquent, il a droit à tout ce qu'il y a en termes de protocole sécuritaire, protocole diplomatique et tout ce qui va avec. Cependant, nous avons remarqué et nous avons constaté que depuis la fin de l'élection présidentielle passée, un groupuscule s'est mis en place. Ce groupuscule avait déjà été théâtralisé à l'époque par le chef de cabinet de M. Kamto à l'élection présidentielle, qui était M. Paul-Éric Quignet, qui nous faisait savoir que dans le cadre d'un combat post-électoral qui devait avoir lieu, le mouvement de la Renaissance du Cameroun, par le biais de M. Kamto, devait structurer, avoir une structure paramilitaire qui devait chapeauter et prendre corps dans nos ambassades. Il avait nommément cité des personnes qui aujourd'hui se retrouvent aux avant-postes des saccages de l'ambassade du Cameroun, aujourd'hui de la violation de l'espace de l'hôtel dans lequel séjourne le chef de l'État, et ci et là par des manifestations qui se sont posées depuis pratiquement 6 mois. Il convient ici de rappeler que pour tout Camerounais, l'institution qui incarne le chef de l'État demande à ce qu'il y ait un minimum de respect, un minimum de pudeur envers l'institution qui l'incarne. Je voudrais vous rappeler, M. Sandio, que c'est une question assez grave. Je voulais rappeler que je me suis permis de parcourir les articles de notre Constitution, les articles constitutifs de notre Constitution, et à l'article 5, il est écrit que le président de la République incarne l'unité nationale. Et plus loin, il est le garant de l'intégrité du territoire, la continuité de l'État et de sa permanence. Donc, où que le chef de l'État se trouve, il incarne d'abord les valeurs de la République. Et comme vous semblez le savoir, le chef de l'État n'est pas en Suisse dans un pique-nique. Le chef de l'État est en Suisse
dans un cadre de consultation par rapport au dialogue républicain qu'il a initié par le biais du Premier ministre John Goute dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et nous constatons avec regret, et c'est vrai qu'au cours de l'émission, nous allons évoluer, que des forces qui s'opposent viralement à ce dialogue ont pris de corps ces lieux. Et c'est la même chose qui s'est passée juste avant, lorsqu'on avait pris M. Foundi. M. Foundi avait été kidnappé. Vous allez constater que, encore il y a avant-hier, M. Foundi a été kidnappé. Donc, nous convenons ici qu'il y a un certain type de paramètres ici qui indique que le dialogue républicain est serein, que pilote le chef de l'État ici, d'une certaine partie, ne trouve pas un sentiment, ou alors des forces endogènes et exogènes ça s'appuie pour chercher à le bloquer. Très bien, on en parlera largement. Emmanuel Cougnier, d'abord peut-être pour réagir et nous rassurer sur l'information de dernière minute qu'on a reçue au sujet du chairman. Il est libre désormais, c'est cela? Oui, depuis hier soir. Très bien, donc il a été remis en liberté. On a eu cette information, il fallait donc vérifier auprès des sources du social-démocratique. Alors, au sujet de ces manifestations du côté de Genève en Suisse, on n'a pas vu beaucoup le social-démocratique font réagir dans la presse cette semaine. Il faut dire que cette brigade anti-Sardina a été indexée dans le cadre de la mise à sac des ambassades du Cameroun, que ce soit du côté de la France et du côté de Berlin. Pourquoi comprendre et comment comprendre la réaction du SDF face à cette situation? C'est un mutisme qui vaut approbation ou un mutisme qui vaut indignation? Non, nous pensons que l'image du Cameroun est cornée de tous les côtés. On ne peut pas penser que le Cameroun a une image respectée ou respectable. Quand vous avez, n'est-ce pas, on est allé aux élections avec un conseil électoral et un conseil constitutionnel désigné par une seule et même personne, le candidat PIA. Tout ça, c'est vu de l'extérieur, c'est inadmissible. On a, après les élections, il y a eu des manifestations. Les manifestations étaient interdites. On a interdit systématiquement des manifestations. Les gens ont manifesté avec les mains nues. On a tiré sur eux. Ça école l'image. Quand de l'extérieur, on voit cela, c'est exact. Ça dit que l'image est dans la boue. Et on a arrêté des gens. On a arrêté des gens, même dans la nuit chez eux, dans des conditions absolument inadmissibles. Et on a arrêté des centaines de personnes qu'on a déversées en prison. Et jusqu'aujourd'hui, on ne dit pas ce qu'il en est. Il y a une répression massive. C'est le règne de la terreur. Tout cela, ça éconne l'image de la République. Nous estimons que le pouvoir a lui-même détruit complètement l'image du Cameroun à l'étranger par ces actes. Maintenant, à l'extérieur, ceux qui ont posé les actes d'hier ont également fait la même chose. Donc nous assistons à deux extrémismes que nous ne pouvons pas tolérer. Donc nous estimons que ces gens-là, que ce soit du pouvoir ou de ce que vous appelez la brigade anti-Sardina, sont en train de se mettre dans un ping-pong. Ils ont pris le peuple camerounais en otage. Le pouvoir ne peut pas être épargné de cette affaire parce que eux, ils ont sali, ils ont égratigné, ils ont à la limite même tordu le cou, n'est-ce pas, à l'image du Cameroun. Et ceux de l'extérieur, de la diaspora, sont en train de faire exactement la même chose. Nous pensons que ces deux groupes-là doivent essayer de laisser le Cameroun tranquille parce que ce qui se passe n'est pas normal. On ne peut pas aujourd'hui parce qu'on a le pouvoir. M. Biya a eu le pouvoir gracieusement des mains de M. Aïdjo. Aïdjo aurait pu faire comme lui. Qu'il n'arriverait pas. Donc, il faudrait qu'on comprenne que ce qui se passe aujourd'hui, c'est deux extrémismes qui se trouvent avoir pris le peuple dans l'étau et puis on ne sait pas comment s'en sortir. Donc, il faudrait que ceux de la base qui comprennent que ce qu'ils ont fait est absolument inadmissible. On ne peut pas traîner, n'est-ce pas, l'image du Cameroun de cette manière. D'ailleurs, si les gaz lacrymogènes ont d'ailleurs été lancés là-bas, c'est parce qu'ils n'ont pas respecté le circuit de la marche. Ils ont voulu aller jusqu'à l'hôtel continental. Ils ont fait un désordre infernal. Ça a donné ce que ça a donné. Ça a mouillé, ça a sali l'image du Cameroun. Mais à l'intérieur du Cameroun, l'image du Cameroun est complètement roulée par terre par ceux qui nous gouvernent. Présent Dieudonné Yabga, vous avez également le sentiment qu'on assiste à une bataille entre deux extrêmes aujourd'hui. Et quel est le regard que vous jetez sur cette dernière manifestation qui visiblement ternit davantage l'image de notre pays à l'étranger? Bien, il est clair hein, qu'on ne peut pas déshabiller une femme qui est déjà nue. Quand je le dis, tout le monde est au courant que depuis un certain moment, tout le monde parle du Cameroun. Que ce soit des organisations internationales, que ce soit la société civile, dans tout le monde entier, on parle du Cameroun. Ça, c'est une goutte d'eau en plus qui fait parler du Cameroun négativement. Donc, quand je le dis, quand je dis qu'on ne peut pas déshabiller une femme déjà nue, ça veut dire que le Cameroun, c'est comme une femme qui est déjà nue. On ne peut pas la déshabiller en plus. C'est dommage et c'est regrettable. Et vous savez, pour changer un régime,
il y a trois méthodes. Soit on va à une élection libre et transparente, on gagne une élection proprement aux urnes, et on change de régime. Soit on fait un coup d'État, on change le régime en place, ou alors on déstabilise le régime. Et ce qui est en train d'être fait, nous constatons que, avec la mauvaise loi électorale que nous avons, on ne peut pas changer ce régime par les élections. Et nous constatons également que notre armée républicaine ne veut pas de coup d'État. Et tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est d'essayer de déstabiliser ce pouvoir-là. Donc c'est le moyen qu'on utilise pour le faire. Et ce que le font, quand on regarde, parce que nous qui sommes habitués aux manifestations, aux organisations, on n'annonce pas un plan d'action avant. Quand ils annoncent un plan d'action, ils disent ce qu'ils vont faire, ça veut dire qu'ils veulent tout simplement montrer qu'ils existent. Et ça, nous disons que c'était du théâtre. C'était pour montrer que le Cameroun va mal et nous faisons ci, nous faisons ça. Et je vais finir pour dire que, parce que quand mon jeune frère qui est en face de moi, je crois que c'est Yves, Valérie du RDPC, qui parle d'un groupuscule. Je ne sais pas si la souvenance de ce qu'on a appelé printemps arabe, qu'est-ce qui avait été à l'origine du printemps arabe, mais c'était un individu. Quand il y a deux ou trois personnes, et une personne, c'est différent. Donc, il ne faut pas parler de groupuscule. Mais il faut plutôt regarder, quand vous parlez, on ne vous coupe pas, je vous en prie, mon jeune frère. Il ne faut pas regarder ce qui manifeste, mais il faut regarder la portée de l'acte posé. L'acte posé est très grave. Et personne ne peut l'apprécier. Vous avez vu un journaliste suisse qui a été molesté, tout le monde l'a vu. Et quand la Suisse dit que dans leur territoire, tout se passe par négociation, il n'y a pas de force là-bas en Suisse, on devait négocier. Et ça a pris 3 heures pour qu'on remette son matériel de travail. C'est pas comme ça qu'on devrait fonctionner. Je voudrais également que réagisse Abel Elie Miloubet, qui nous a rejoint tout à l'heure. Dès l'entente de vos propos, Abel, vous aviez dit que vous êtes très remonté par ce qui se passe et le fait que l'image du Cameroun soit davantage écornée à l'étranger. À la lumière des précédents orateurs, avez-vous le sentiment que tout le monde semble avoir pris la mesure de la situation? Je suis même surpris par l'apologie que certains d'entre nous font, l'apologie de la sauvagerie, comme étant quelque chose d'explicable du fait que le pays est mal gouverné. Mais ce n'est pas les mauvais gouvernants qui sont en Suisse en train de traquer le chef de l'État. Ceux qui sont en Suisse, qui traquent le chef de l'État, qui veulent attenter à sa sécurité, ils se réclament de l'opposition qui, elle a des obligations d'exemplarité. Ils se réclament de ceux qui doivent convaincre pour obtenir les suffrages, l'adhésion de notre peuple dans le processus ou les efforts d'éviction de ce régime. Vous ne pouvez donc pas dire que vous allez chasser un voleur en volant. Si on ne peut pas déshabiller une femme qui est déjà nue, on ne va pas voler pour traquer un voleur. On ne va pas déstabiliser un régime qu'on veut remplacer en nous montrant qu'on est des maîtres déstabilisateurs. On ne va pas souiller un pays parce que ceux qui le gouvernent mal l'ont déjà souillé. Puisque nous voulons montrer que nous sommes capables de faire mieux, nous sommes capables de restaurer le pays, de le reparer, de le réhabiliter. J'ai toujours l'habitude de dire aux gens qu'au stade où nous sommes, cherchons la sagesse pour éclairer nos agissements. La Bible nous dit, et c'est là, c'est Dieu qui dit à Moïse, quand il dit à Moïse de parler au peuple d'Israël, il dit à Moïse dans Lévitique, chapitre 18, versets 28 et 29. Dieu dit à Moïse de dire à Israël que prenez garde que le pays ne vous vomisse pas si vous le souillez. Car tous ceux qui commettront quelques-unes
de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Jeter l'anathème sur le pays n'est pas un droit. Au motif qu'on le gouverne mal. Donc, ceux qui prennent pour axe de combat non plus la voie démocratique, encore que ceux qui prennent pour axe de combat la voie de type insurrectionnel ou le coup d'État, personne nulle part dans le monde ne les auréole. Vous connaissez un régime qui a été auréolé pour avoir fait un coup d'État? On s'en adapte, on s'en accommode peut-être. Mais partout, le coup d'État est vomi. Partout, l'insurrection populaire est regrettable. D'autant plus qu'elle n'assure même pas les insurrectionnels d'arriver au pouvoir. On ne peut donc pas venir faire l'apologie ici, expliquer les agissements qui relèvent de la sauvagerie pure et simple par des groupes dont l'engagement politique dans la vie camerounaise est particulièrement illusoire. Vous n'avez pas chassé Biaïta en Suisse. Ce n'est pas parce que vous avez attenté à la vie du chef de l'État en Suisse que le régime va tomber ici. Nous sommes donc dans quelque chose dont je voudrais que notre peuple réprouve profondément et exclut de son milieu ceux qui commettent de tels actes, comme la Bible nous recommande. On n'est pas libre de souiller le Cameroun. Docteur Emmanuel Sonquin, première réaction sur ces manifestations de la brigade anti-Sardinard, réprimée par les forces de la police suisse du côté de Genève en Suisse, où le coup présidentiel est en court séjour, et selon d'ailleurs quelques indiscrétions, on parle de médiation de la Suisse dans le cadre de la relance de ce dialogue en vue d'un retour à la stabilité dans ces régions-là. Donc le calendrier, visiblement, l'agenda du chef de l'État était loin d'être un agenda à la limite estivale, mais sur les bases et les motivations de cette organisation, quelle est votre réaction? Déjà, je vais faire une analyse scientifique du phénomène que nous avons en face de nous. Vous savez, tout part de la société. Quand il y a un problème de société, soit il devient un phénomène social, soit il devient purement un phénomène politique, avec l'implication des acteurs politiques. Nous avons comme... je vais démontrer ceci en fait. Quand vous êtes dans une nation et que vous voulez vous exprimer en marchant, et qu'on vous arrête, et que à l'extérieur du pays vous pouvez vous exprimer en marchant, ça crée une certaine ouverture. Le deuxième point, j'ai suivi les gens évoquer tout à l'heure le fait qu'on ne peut pas déshabiller une femme qui est déjà nue. Je partage également ce point de vue, dans la mesure où apparemment on pensait que certaines personnes, c'est vrai, elles représentent ou elles incarnent les institutions nationales, mais combien de fois on est resté parler pour cette dame qu'on a, dont le nom m'échappe, on a fendu ouvertement le ventre en mondiovision parce qu'elle était incapable de payer une césarienne. Elle est moins camerounaise que les autres. Bon, je crois qu'on fait un peu l'amalgame parce qu'on est d'un bord ou de l'autre. Mais à mon humble avis, tout ceci, ce sont les signaux d'une fin de règne. Parce que je ne crois pas qu'il y a de cela 10 ou 15 ans, les Camerounais pouvaient poser de tels actes. Je crois que, à mon humble avis... Il y a d'ici 10 ou 15 ans, l'Internet n'avait pas l'usage qu'on connaît aujourd'hui. Effectivement, mais les Camerounais savaient effectivement que le président allait se voir à l'hôtel intercontinental. Il passait de longs mois et parfois des semaines. Mais il n'y avait jamais eu une mobilisation de ce genre. Donc, force est de constater qu'à l'intérieur du régime, il y a un essoufflement. Et à l'extérieur, il y a des phénomènes sociaux qui commencent à positionner un certain nombre de personnes. Du point de vue du droit, docteur Emmanuel Sonquin, c'est peut-être là ma question. Faut-il cautionner un tel mouvement? Parce que ce mouvement relève d'un phénomène social de la société. On ne peut pas le prévoir. Mais par contre, si on ne fait rien, on ne pourra plus le contenir. C'est là où le problème se trouve. Dit qu'il est légitime, il est illégitime, ce n'est pas là le problème. Parce que si on regarde, le niveau de violence et d'agressivité ne fait que monter. Et il fut quelques fois auparavant, on criait juste à l'entrée de l'hôtel en disant « Monsieur le Président, rentrez chez vous ». Mais on est allé jusqu'à verser des gaz lacrymogènes, on se rend compte que ça monte. Et si on ne fait rien, ce phénomène peut se transposer ici au sein de la nation. Donc moi, ce que je veux dire pour chuter, c'est effectivement, nous sommes à la fin d'un régime.
quel que soit ce qu'on essaye de faire, le régime est en perte de vitesse. J'ai un peu étudié un peu à part observation les animaux. Vous savez, chez les animaux, par exemple, chez les gorilles, il y a le chef de la, je ne sais pas si on appelle ça la meute, mais une fois qu'il est là, chaque fois les jeunes essayent de le renverser. C'est le processus de remplacement. Mais on se rend compte que quand le chef de la, du groupe, du, si je peux l'appeler ainsi, vieillit, en ce moment-là, n'importe quel jeune peut venir le tenir tête et le renverser. Je crois que sur un plan politique, c'est cette reconfiguration qui est en train d'être faite. Vous allez réagir à Bélini Bilobet, mais je voudrais d'abord que Valérie réagisse. Sur les, le ministre de la Communication, cette semaine, a également réagi à la suite de ces manifestations. Et la question que je voudrais vous poser, c'est la même que j'ai posée au docteur Emmanuel Sankin. Cette organisation, comment comprendre ses motivations? Est-ce que cette organisation a des bases légitimes et légales pour porter un combat comme celui qu'il semble porter au sujet d'une certaine alternance au sommet de l'État? On pourrait se poser la question sur la nature de ce qu'on pourrait qualifier entre guillemets de combat. À la suite d'un certain type d'intervention, je voudrais rappeler ici à quelques co-panélistes que notre constitution est claire. Elle dit dans un de ses articles que le peuple souverain exerce, le peuple exerce sa souveraineté nationale, soit par le président de la République, soit par les membres du Parlement, soit par voie de référendum. Aucun groupe d'individus ne peut s'en attribuer l'exercice. Lorsque je dis cela, c'est pour dire que, quelles que soient, entre guillemets, les motivations qui peuvent amener, parce que j'ai entendu ici, on parle de Camerounais, je pense, vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé d'Internet, aujourd'hui, nous savons très bien, docteur Sankin, que dans les rangs de ce groupuscule, vous avez pratiquement à 50% des individus qui, un, ne sont même pas déjà Camerounais. Dans les autres 50% qui restent, vous avez, vous permettez cela. Non, je dis, je peux le dire et je peux vous prouver. Le problème, c'est le temps de parole qu'on a. Ensuite, on a des Camerounais qui ont déjà perdu la nationalité camerounaise. Qui sont donc dans les rangs... Le gouvernement. Vous permettez, docteur Sankin, on ne vous a pas coupé. Donc, je tiens à dire ceci, monsieur Sandjo. Allons plus loin. Il y a près de 2 semaines, ce groupuscule a fait tourner en Mondiaux Vidéo une vidéo où ils sont en pleine négociation d'achat d'armes pour venir combattre les institutions républicaines. Ce qui, jusqu'à présent, je pense que dans notre pays, dans l'histoire de notre pays, c'est de l'inédit. Peut-être avec la proximité qu'on fait les réseaux sociaux, ce qui peut être dit à 11h peut être connu au Cameroun à 11h02. C'est vérifiable. Donc, je veux simplement dire que ces gens, quelle que soit la cause, parce que nous savons la cause qu'ils cherchent à défendre, il a été inédit, docteur Sankin, je pense que vous avez regardé les vidéos qui ont choqué l'opinion nationale hier. Vous avez vu, main dans la main, ceux qui se réclament de l'ambazonie sécessionniste, qui en réalité est une milice rebelle. Et ceux qui se réclament d'un groupement pro-MRC, militants et sympathisants, main dans la main. Comment pouvez-vous expliquer que des sécessionnistes et un mouvement politique durement légalement connu puissent être main dans la main pour chercher à faire tomber les institutions de la République? Non, je ne vous parle pas de fake news, je parle de vidéos vérifiables que les Camerounais peuvent directement sur leur téléphone. Je parle de vidéos. Maintenant, je continue, je veux dire ceci. Monsieur Kounye, lorsque nous vivons des événements aussi graves et que vous semblez, dans votre prise de parole, poser un équilibre entre le gouvernement de la République, les institutions de la République et un groupuscule qui appelle depuis à l'insurrection, qui finance l'insurrection depuis l'extérieur, qui finance la rébellion dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Je pense que vous manquez de responsabilité politique. Parce que si, ne serait-ce que, tu n'as pas la capacité, vous pouvez être ému du fait que le chairman... Tu n'as pas la capacité de me dire ça, il faut arrêter. Non. Si le chairman, lorsque le chairman est par exemple kidnappé par des personnes qui refusent tout processus de dialogue,
Cela a été revendiqué. Où était la sécurité? Quelle sécurité? Qu'est-ce qu'on fait dans la Suisse, il n'y a pas de dialogue? Qu'est-ce que ceux qui assurent la sécurité des hommes des lumières, où était le gouverneur? Où était le gouverneur? Qu'on vient chez le chairman, on a été trahi. C'est la 40e fois. Nous avons été trahis. C'est la 40e fois que cela s'est passé. En route. Ça pose mais là, c'est dans son domicile. Vous permettez, monsieur Kouni. Ne me juge pas, tu n'as pas la capacité, mon ami. Donc, j'étais en train de dire ceci, monsieur Sandou, c'est que depuis pratiquement 2 mois et le passage de M. John Kitté, nous avons assisté ici à une escalade de la violence. Il vous souvient que samedi, rien que dans les zones de Woum et de Santa, le bataillon d'intervention rapide en abrégé BI a réussi à localiser et à désamorcer près de 13 mines qui étaient cachées sous des routes. Donc, nous sommes ici en face des forces qui, d'une façon ou d'une autre, et je vous rappelle que le MSA a commis un communiqué hier pour s'offusquer du fait que des consultations en vue de la pacification des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont lieu en Suisse sans que cela ne soit ébruité. Donc on comprend très bien que dans le jeu politique qui est fait, dans la surenchère politique qui a lieu en ce moment, nous avons des acteurs indélicats, des acteurs irresponsables qui veulent se nourrir du sang des Camerounais pour prétendre à une place au palais d'Étoudi. Réaction rapidement, Emmanuel Kouniyé. D'abord au sujet, et c'est justement, je voudrais qu'on sorte de ces débats avec une question. La responsabilité des hommes politiques, le SDF, quoi qu'on en dise, est quand même bien implanté au sein des sphères décisionnelles du pouvoir. Vous avez quelques municipalités en votre possession. Vous êtes également très bien représenté au sein du pouvoir législatif du Cameroun. Ce qui se passe en Suisse, est-ce que vous n'avez pas fait le rapprochement avec les institutions de la République que vous semblez défendre au moment des élections? Nous sommes absolument contre ce qui s'est passé en Suisse. Nous estimons que les choses ne devraient pas se passer comme cela. Mais nous, on comprend ce qui se passe. Parce que nous ne pouvons pas, vous ne pouvez pas, si vous êtes médecin, si vous voulez faire une thérapie sur une maladie, ça ne vaudra que de par la justesse du diagnostic qui implique, n'est-ce pas, les soins que vous voulez donner. Si le diagnostic est erroné, fatalement, vous allez aller dans le décor. Moi, je crois que ceux qui nous gouvernent doivent comprendre, notre jeune frère du RDPC vient de dire tout à l'heure, que certaines personnes étaient en train de négocier pour acheter des armes. Ça a commencé comme ça au Nord-Ouest, au Sud-Ouest. Pour rien du tout. Pour un problème qu'on aurait pu discuter. Les gens ont pensé qu'ils ont le monopole de la force légitime, de la violence légitime. Alors, ils vont sur le terrain, ils vont combattre les gens. Malheureusement, tout le monde n'a pas le même tempérament. Nous, on a gagné les élections en 92, le SDF, on a été frustrés. Nous, on est restés tranquilles, mais tout le monde ne va pas faire pareil. Il y a des gens qui vont peut-être réagir différemment, donc il faut tenir compte. Donc, il faut savoir que... Donc, vous comprenez au sein du SDF, c'est des propos très graves. Oui, nous avons gagné les élections. Vision. Vous dites qu'il est normal d'acheter des armes pour... Je n'ai pas dit qu'il est normal d'acheter des armes, mais je dis que... Vous êtes en train de le dire devant des millions de spectateurs. Tu ne peux pas me dire de dire ce que je n'ai pas dit. Je dis bien... Vous êtes en train de le dire. Je dis bien que quand il y a une situation, il faut discuter. Il ne faut pas continuer à... La discussion n'est pas un chantage avec un État souverain. Vous ne pouvez pas, parce que vous êtes un État souverain, aller dans les domiciles des gens, à contre-temps, les ramasser, aller les jeter en prison. Les manifestations qui ont amené à l'incarcération des membres du MSC étaient des manifestations non autorisées. Et je pense que la loi nous ne sommes pas dans le régime de la loi est suffisamment claire en ce qui concerne les manifestations. La loi dit que quand on manifeste, on rentre chez soi, 3 jours après, on vient vous séquestrer chez vous, on va vous jeter en prison. Monsieur, la loi n'a jamais autorisé. Monsieur, donc, c'est de la spéculation, monsieur. Les hommes politiques, c'est que nous ne sommes pas d'accord du tout que les choses se passent ici. Nous sommes contre ce qui s'est passé en Suisse et nous décrions, nous n'avons pas besoin de le décrier sur tous les toits, mais nous estimons que ça salit une fois de plus l'image du Cameroun, mais nous disons que ceux qui sont à l'intérieur, qui ont le pouvoir, tous les jours, chaque jour que Dieu a créé, passent le temps à mettre l'image du Cameroun dans la boue. Nous demandons donc à ces deux extrémismes de baisser la garde, parce que le pouvoir est arrivé dans une telle... Mais c'est la loi de la terreur. C'est la terreur, il faut arrêter ça. Et puis je vais vous dire, le terrorisme même peut à certains moments être la réaction du terrorisé. Quand quelqu'un est tellement terrorisé, il peut devenir terroriste. Et si, oui, s'il n'est pas sérieux, s'il n'est pas... Vous avez vu la police suisse hier molester des gens qui manifestaient sans autorisation. Nous ne sommes plus au Cameroun. Il y a aussi la dictature. La police suisse a molesté, gazé. Ces vidéos sont visibles sur les réseaux sociaux. Permettez-moi de répondre. C'est aussi le Permettez-moi de répondre. La police suisse, Monsieur Kouniyé, la police suisse a intervenu avec les gaz lacrymogènes et les jets d'eau sur les gens qui ont
dévier, n'est-ce pas? Il n'avait même pas d'autorisation. La seule autorisation de manifestation était celle de la diaspora qui venait des États-Unis, d'Europe, et qui était à l'enceinte de l'hôtel. C'est moi qui ai la parole. La manifestation de la base n'avait pas été autorisée. C'est moi qui ai la parole. Dites-le aux millions de spectateurs que cette manifestation n'était pas autorisée. Et d'où le recours à la force de la police. Je veux parler seul. Je dis donc que la police suisse a utilisé les gaz lacrymogènes, a utilisé les jets d'eau, mais la police suisse n'a arrêté personne. La police suisse n'a tiré sur personne et la police suisse ne mettra personne en prison. Donc vous ne pouvez pas comparer ce qui se passe en Suisse, passe ici. C'est un ensauvagement ce qui se passe ici. Donc nous pensons qu'il faut mettre fin à cela. Il faudrait que les gens soient un peu plus civilisés. Et vous ne pouvez pas comparer. La police suisse a utilisé les moyens qui sont des moyens acceptables. Mais acceptable. Ici, venir chercher les gens chez eux à 23h, ou je ne sais pas à quelle heure, 20h, ou je ne sais pas à quelle heure, les séquestrer, prendre 200 types et aller jeter en prison. On ne peut pas admettre ça dans un système normal. Djenene Yebga, effectivement, sur la réaction de la police suisse, je voudrais simplement que vous dites un mot tout à l'heure. Valérie m'a mis la puce à l'oreille sur ces manifestations-là, effectivement. On a pu voir que la police a décidé de disperser les manifestants. On n'est pas très loin de ce qu'on observe très souvent dans notre pays lorsque les manifestations n'ont pas fait l'objet d'une démarche d'autorisation. Est-ce que cette scène-là, uniquement cette scène-là, ne vous amène pas à comprendre qu'il faut en tout temps et en tout lieu respecter les institutions? Il faut en tout temps et en tout lieu respecter les institutions. Ça, c'est vrai. Mais n'oubliez pas que la Suisse, hein, c'est un autre pays. Et on ne va pas rentrer dans l'histoire. Nous connaissons exactement ce que la Suisse a joué dans le rôle des sauvegardes des intérêts des chefs d'État africains. Ça, on le sait. Maintenant, quand on parle d'une manifestation qui n'a pas été autorisée ou déclarée, moi je dis, ce qui s'est passé là-bas, ce n'est pas la toute première fois. Ça s'est toujours fait comme ça. Et les gens qui ont été molestés, si on peut le dire, et le représentant du SDF l'a dit, ils ont débordé là où ils devraient être. C'est tout simplement pour ça. Mais moi, j'ai regardé ça à maintes reprises. La police était là et les autres étaient en face d'eux. Mais dès qu'ils ont débordé, ils ont agi. Et une fois encore, peut-être quand il faut militer au RDP, il ne faut pas être cardiaque. Parce que si on est cardiaque, on peut rapidement mourir. On ne peut pas parler de la Constitution, c'était l'article 5, oubliez l'article 66. Si on veut appliquer les articles de la Constitution, mais qu'on applique tout. Un de deux, Yves, quand mon jeune frère nous dit qu'il a vu en audiovision le MRC et les Amazoniens main dans la main. Mais c'est un bon signe. Ça veut dire que le Cameroun doit être uni. Ça veut dire que nous cherchons... Unis dans le chaos? Non, mais c'est les Amazoniens cherchent la séparation du Cameroun. Mais s'ils cherchent la séparation, le MRC cherche quoi? Vous me laissez... Le MRC ne cherche pas la séparation. Le MRC ne cherche pas la division du Cameroun. Maintenant, on va donc comprendre que le Cameroun, ce n'est pas la séparation. Ce que les gens cherchent, c'est l'unité de notre pays. Moi, c'est un élément encore qui me conforte. Quelles que soient les méthodes. C'est l'unité du pays. Quand on se perd en brousse, on cherche le chemin pour sortir. Et tous les chemins sont bons. Et maintenant, pour finir, on ne fait pas les négociations stratégiques en public. On les fait en secret. Or, faire un montage qu'on est en train de négocier l'achat des armes, c'est pour préparer la répression. C'est tout simplement ça. C'est un montage. Bien sûr. C'est pour préparer la répression. Mon jeune frère qui vient d'entrer en politique, nous avons plus de 40 ans là-dedans. On sait comment ça fonctionne. Abel Elimbelobert, pour ce dernier tour de table sur cette manifestation de cette organisation dénommée Brigade Anti-Sardina, au regard de ce qui précède, votre réaction, parce qu'il s'agit là, quoi qu'on en dise, des institutions de la République aujourd'hui qui sont visiblement atteintes et à l'extérieur. Votre réaction. J'ai gardé à Emmanuel Kouni et à mon frère Yeka qui brille par l'apologie, la capacité à vouloir donner raison à des faits qui sont mauvais, qu'ils reconnaissent eux-mêmes comme étant des mauvais faits, mais qu'ils veulent expliquer comme étant des faits légitimes qui doivent être posés. Ils sont mauvais et ils doivent néanmoins être posés parce que, a-t-il dit en concluant son propos, tous les moyens sont bons. Il a dit tous les chemins sont bons. C'est faux. Tous les chemins ne sont pas bons. Kounye, la Bible dit que dans Lévitique, chapitre 19, verset 35,
Vous ne devez pas commettre d'injustice en jugeant. C'est clair. Quand nous voulons faire l'analyse des choses... Nous sommes dans un état laïque. Peu importe, vous vous appelez d'un Dieu donné. Vous n'avez pas... À votre naissance, on ne savait pas que vous êtes un... La laïcité n'est pas l'absence de conviction religieuse. Voilà. Parce que j'ai l'impression que quand les convictions religieuses auxquelles vous avez librement adhéré, vous avez fait le baptême, vous avez fait vos sacrements de catholique ou de ceci ou de cela, après quand on vous oppose les enseignements auxquels vous êtes censé vous soumettre, vous dites qu'on est dans la laïcité. Bon, je vous ai donc opposé la Bible. Et tu ne devais pas commettre d'injustice en jugeant. Ce n'est pas parce que le régime du président Biya est mauvais. Nous avons la légitimité et la légalité constitutionnelle d'envisager de le changer, mais nous n'avons pas la liberté de le changer par tous les moyens. C'est pour ça que le jeune frère, quand il rappelle la Constitution, malheureusement, quand vous rappelez la Constitution, ayez-la avec vous, ça donne plus de force à votre propos. L'article 2 de la Constitution, elle parle. La Constitution à tous les Camerounais, pour peu que vous vous réclamez d'être de nationalité camerounaise. La Constitution n'est pas quelque chose qu'on négocie tous les jours. La Constitution, c'est aussi quelque chose à laquelle on se soumet, qu'on soit au Cameroun ou qu'on soit ailleurs. On n'a pas la liberté, parce qu'on prétend qu'on veut renverser le régime de Paul Biya, de ne plus se restreindre au champ que la Constitution nous a donné. La Constitution dit dans son article 2 que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce. Pas par tout le monde. Chacun n'exerce pas la souveraineté. C'est faux. La Constitution dit que la souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce soit par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de référendum. Ceux qui prétendent là-bas agir au nom du peuple camerounais, ils sont des imposteurs. Ils agissent en leur personne, pure et simple, et ils agissent à travers des actes de sauvagerie répréhensibles. Et on ne peut pas s'asseoir au Cameroun et récupérer leurs agissements, essayer de leur donner une légitimité, parce que la Constitution nous dit que aucune fraction du peuple, ni aucun individu, ne peut s'en attribuer l'exercice. J'appartiens à l'école qui veut que nous nous soumettions à ce que nos lois, aussi mauvaises soient-elles pour le moment, prévoient. Parce que quand le premier président de la Cour suprême enseigne à la nation tout entière, au moment où il y a la rentrée judiciaire, parlant au corps judiciaire, le premier président de la Cour suprême est l'un de nos grands enfants que nous avons le devoir d'écouter, de tirer enseignement de ce qu'il dit. Au même titre que vous, ici sur les plateaux de télévision, vous voulez que les gens s'inspirent de ce que vous dites, vous voulez refuser ce que vos aînés ont dit. Mais le premier président, en enseignant, il dit que, et il rappelle Montesquieu, la liberté est le droit de faire ce que les lois permettent. L'article 66 de la Constitution. Quand le premier président, je termine. Terminé, Abel. Je vous ai dit que il est impératif que l'opposition cesse d'être une opposition qui évoque simplement les manquements. Parce que les manquements, au stade où nous sommes arrivés, tout le monde les connaît. Nous voulons changer le régime du président, justement parce qu'il ne respecte pas les lois. Parce qu'il ne respecte pas la Constitution. Quand ça lui plaît, il la viole. Quand ça ne lui plaît pas, il fait comme il veut. Il nous donne cet exemple. Et ceux qui veulent donc enlever le président Biya donnent l'exemple d'être pire que lui. En faisant ce que les lois n'autorisent pas. Les lois ne nous autorisent pas de dire tout ce que nous voulons. Le premier président de la Cour, parlant de Jean-Paul Sartre, il cite Daniel Lassalle également, quand il dit « La liberté n'est cependant pas absolue, mon frère Yerga. Elle est restreinte par de nombreuses limites. » Ne faisons pas comme si on était
pour faire du bien au peuple camerounais, il faut lui faire le mal de violer ses lois. Cette posture intellectuelle est hérétique. C'est du mensonge. Très bien, on ne fait pas du bien en violant les lois. Et j'appartiens à l'école qui dit que les gens qui viennent sur les plateaux de télévision prévoient ou prétendent que parce que le code électoral est mauvais, on ne peut pas gagner les élections. Ils ne nous expliquent pas comment les 32 députés de l'opposition ont fait pour gagner les 32 sièges là avec ce code électoral. Il ne nous explique pas comment les 1947 Camerounais, conseillers municipaux de l'opposition, qui se trouvent dans une quarantaine de communes, ont fait pour devenir conseillers municipaux avec ce code. Yeba qui est assis ici et Kougne, voici le code électoral. Prenez ça, montrez-moi l'article qui empêche les gens de sortir de chez eux et de nous donner le suffrage. Nous perdons les élections pas parce que le code électoral est mauvais. Nous perdons les élections, toutes les études scientifiques objectifs ont montré que nous perdons les élections parce que nous avons une mauvaise stratégie à l'occasion de ces élections. On ne veut pas faire notre ajournamento. On ne veut pas faire notre introspection. Des recettes toutes trouvées qui sont devenues un mauvais fonds de commerce que personne n'achète plus. C'est pour ça que je rappelle à Kougne ce que la Bible a dit dans Lévitique que j'ai lu tout à l'heure. Parlant au SIF et aux autres membres de l'opposition. Prenons garde que le pays ne nous vomisse pas. Quand vous êtes allé à l'élection et que vous avez fini avec 3%, vous devez vous sentir vomi. J'ai évacué quelques SMS à Elimbi Lobé pour comprendre la deuxième thématique inscrite à l'ordre du jour. Tel Elimbi Lobé that he not in the classroom. She should also know that he has missed the political track. Faut signer vos messages, hein, sinon j'aurais vraiment toutes les difficultés pour les évacuer. Je vais évacuer, j'en ai reçu tellement, avec la permission de la réalisation. Alors, je salue le panel, que ceux qui pensent que le départ du président de la République Paul Biya va résoudre le problème se trompent. Exemple de la Tunisie, Ben Ali est parti, et la Tunisie est toujours dans une situation chaotique aujourd'hui. On a également, alors aujourd'hui, vous aviez cité que c'est la Mouchi de Koutaba. Hein, le prochain exemple que vous souhaitez citer n'a pas effectivement été rendu public. Bonjour le plateau. Les responsables de la basse disent agir pour libérer le Cameroun de la malgouvernance. Je me pose la question de savoir s'ils ont reçu le mandat pour parler au nom du peuple camerounais. Il faut dire que cette insurrection des partisans de la basse en Suisse ternit l'image du Cameroun. C'est Douala Ebele qui nous a écrit ce message. Je vais en évacuer encore quelques-uns. Alors, c'est toujours Ebele qui a poursuivi ce message-là. Je vais prendre un autre message. Bonjour, est-ce que la fin d'un règne veut dire la fin d'un pays? Pourquoi les frères de l'ouest du Cameroun sont... Baba, Baba. Non, je ne veux pas aller jusqu'aux extrêmes. Je peux comprendre parfois lire de certains aujourd'hui. Je peux parfaitement comprendre cela. Mais il faut aussi respecter les uns et les autres. Je vais continuer de les évacuer, hein, continuer de réagir. Mais je voudrais rapidement que l'on prenne la deuxième thématique. Mais on va dire un mot rapidement sur... finalement une solution définitive pour éviter au moins ce qui se passe, parce que à ce niveau-là, nous également on a notre responsabilité. Je vais commencer par le docteur Emmanuel Sonka. Vraiment, ce sera en un mot, 30 secondes, pour qu'on prenne la deuxième thématique sur les élections qui sont annoncées. En un mot, comment faire pour éviter que notre pays continue d'avoir cette très mauvaise image en étranger? En un mot, en quelques secondes, il faut repenser la politique et la trajectoire du dialogue que nous voulons impulser. Il faut intégrer les véritables acteurs et les véritables auteurs, si on les connaît bien entendu, de tout ce jeu. Parce que vous ne pouvez pas à tout moment, chaque fois que vous avez en face de vous quelqu'un avec qui vous devez discuter, vous l'enfermez, les gens avec qui vous devez discuter, vous les menacez. Finalement, à la table de négociation et de discussion, il n'y aura personne. Donc, ramenez les uns et les autres à un véritable dialogue. Valérie, en évitons ce qui se passe ou s'est passé jusqu'ici en Suisse,
qui n'est vraiment pas quelque chose d'apprécié hein, de manière globale. Les Camerounais s'expriment sur la question. On sent au moins une unanimité sur les méthodes. Toutes les méthodes, visiblement, ne sont pas bonnes pour se faire entendre. Mais comment éviter que, pour certains, la frustration puisse laisser libre cours à de tels agissements? Écoutez, M. Sandjo, l'indignation est nationale. Faites un tour sur l'échantillon de représentativité en termes de parole qu'est les réseaux sociaux. Depuis hier, ça va dans tous les sens. C'est une indignation. Le peuple camerounais est choqué. Maintenant, je voudrais vous rappeler que le radicalisme est un processus personnel. C'est-à-dire que si moi, Valérie Mandenga, je décide que je vais aller me faire immoler à la station service golfing en bas, personne ne pourra m'arrêter dans ma sombre besogne. Donc aujourd'hui, il est important pour ceux qui disent ou ceux qui pensent parler au nom du peuple camerounais qu'ils se rappellent que nous n'avons qu'un seul pays. Nous avons un homme à la tête de ce pays, un homme qui est pris de paix, un homme qui est mendiant de paix et un homme qui fait tout pour que nous sortons de l'impasse de l'escalade de la violence que nous observons dans quelques régions de ce pays. Emmanuel, en un mot. Oui, disons que... écoute comment M. Mandenga est en train de réciter les mendiants de la paix. Je voudrais dire que ce que je pense qu'il faut faire, c'est d'abord le président de la République. Oui. De 1960 à 1982, il a travaillé avec un dictateur. De 82 à 90, lui-même a exercé sa propre dictature dans un parti unique. De 90 à aujourd'hui, il essaie d'être dans une situation que lui-même ne qualifie pas. Il faut qu'il essaie de se refaire une virginité et qu'il comprenne qu'il doit devenir un démocrate et qu'on entre dans le dialogue. Et pour arriver à ce dialogue, il faut que les conditions qu'on a posées, les préalables soient mises en place. Il faudrait qu'il libère les gens qu'ils ont arrêtés abusivement et qui ont déversé de tous les côtés. En un mot, moi quand je regardais les manifestations hier, je me suis dit, si M. Biya descendait de son hôtel, il se mettait en face de ces manifestants, le calme allait revenir. Non, mais sauf qu'en face de l'hôtel intercontinental, on avait plus les partisans du RDPC, les pro-régimes qui ont manifesté autour de l'hôtel. Je dis donc que si M. Biya descendait devant ceux qui manifestaient là, le calme allait revenir. Pour dire quoi? Pour dire que ce qu'il faut dans notre pays, c'est le dialogue. Le dialogue et encore le dialogue. Abel, en un mot, quelle que soit la nature des choses... J'ai regardé à tous ceux qui parlent ici et à notre peuple qui nous écoute et qui doit se laisser guider par des sagesses anciennes. La Bible nous dit dans Corinthiens chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. Toutes choses sont permises, mais toutes choses ne sont pas avantageuses. Toutes choses sont permises, mais toutes choses ne bâtissent pas. Ne nous laissons pas entraîner dans des comportements de libertinage, où la sauvagerie viendra dans les rangs, soi-disant pour nous libérer d'une oppression. Ne nous laissons pas entraîner par des discours. Et tout ce que nous voyons autour de la table, les discours des acteurs politiques de toutes sortes, la divergence qu'il y a, nous montre que l'opposition n'est pas une. Elle n'est pas homogène. Vous voyez, il y a des opposants qui sont d'accord qu'on agresse le chef de l'État en Suisse. Il y en a qui ne le sont pas. Moi, j'appartiens à la catégorie des opposants qui disent que notre lutte ne se fait pas en Suisse. Elle se fait ici. Et elle se fait dans les urnes. Elle doit être une lutte stratégique parce que c'est dans cette lutte stratégique que propose justement l'initiative Kautal que nous faisons l'économie de la dégradation de notre image, que nous montrons à notre peuple et aux peuples du monde que nous sommes capables de nous retrouver autour de l'intérêt général, que nous sommes capables de sagesse. À côté de nous, vous avez ceux qui estiment qu'il ne faut même jamais aller aux élections. Et pourtant, ils sont allés aux élections. Ils ont perdu. Ils estiment que comme ils perdent les élections, on ne peut pas les gagner. Et pourtant, ils voient devant eux des gens qui gagnent les élections, qui sont des maires de l'opposition, qui sont des députés de l'opposition, qui sont des sénateurs de l'opposition, qui sont des conseillers municipaux de l'opposition. Mais comme eux, ils ont perdu, ils estiment qu'on ne peut pas gagner. Et ils répandent dans la nation l'idée que parce que le code électoral est mauvais, on doit maintenant recourir à des comportements
qui n'ont pas l'assentiment du peuple, pour lesquels le peuple n'a donné mandat à personne. Ils sont d'accord qu'on viole tous les termes de la Constitution, y compris ceux que, les termes de la Constitution qui disent qui sont ceux qui représentent la nation. Ce sont les députés, on ce n'est pas Couillé qui représente la nation. On n'est pas venu te voir. Ce n'est pas Yenka qui représente la nation. En Congolais, des bandits installés en Europe qui se font appeler brigades. Je vais faire quelques SMS rapidement pour qu'on prenne la deuxième thématique. Faire l'apologie du terrorisme, souffler le froid et le chaud, voilà les politiciens sur le plateau qui prennent des Camerounais pour des analphabètes et pourtant les vidéos dont fait mention Valérie Mandengue sont disponibles sur Internet. C'est Samuel qui nous a écrit ce message. Je vais en évacuer quelques-uns rapidement également. J'en ai reçu tellement, alors il va falloir chercher très loin pour trouver ces multiples messages-là. Alors, quelques messages. Bonjour. Force de parler toujours du MRC, vous finirez par pardonner à ce parti politique. Alors, j'ai du mal à suivre votre message. Vous n'aurez que les yeux pour pleurer. C'est Jean-Pierre. Vous dites quoi exactement, mon cher Jean-Pierre, depuis Douala? Votre message est entrecoupé. J'ai du mal à aller jusqu'au bout de votre philosophie. Bonjour, s'il vous plaît, dites à M. Elimbi Lobé que j'ai l'impression qu'il ne comprend rien. Ils ne veulent pas... Ils ne veulent pas... Alors, l'expression, je ne vais pas l'utiliser. Ils ne veulent pas apporter atteinte au président de la République, mais ils veulent simplement qu'il rentre au pays pour s'occuper des, disons, des centaines de personnes. Qui sont-ils? Alors, ça, qui sont-ils? Les Camerounais. Comment savez-vous même que c'est des Camerounais? Donc tu es assis ici à Douala, tu vois une bande d'individus qui manifestent. Comment c'est-on comme les gens du MRC? On a la deuxième thématique. Qui t'a dit ici que c'est des Camerounais? On a dit tout à l'heure que c'était des gens du MRC. Tu n'as pas vu les photos, ils sont habillés. On prend la deuxième thématique. Mais tu pensais que ce sont des Camerounais? Quelqu'un, un Congolais peut prendre un tricot du MRC? S'il vous plaît, Abel, s'il vous plaît, on est dans un débat. Abel, c'est pas un monologue. Alors, je voudrais simplement rappeler aux téléspectateurs. Moi, je ne prends pas d'appel ce dimanche et je voudrais également donner notre posture hein, sur finalement ce débat, au-delà évidemment des éclats de voix et des pensées des uns et des autres, des philosophies et des idéologies. Nous restons républicains, ça a toujours été notre posture et on estime effectivement qu'au-delà des manifestations, de la colère, de l'ire observée du côté de Genève en Suisse, nous devons respecter nos institutions. C'est important. Prenons la deuxième thématique ce dimanche et parlons rapidement de ces municipales et législatives qui sont projetées pour le mois de février prochain. Je vais commencer par le docteur Valérie, j'y arrive, Emmanuel Sanquin, chercheur en sciences politiques. Emmanuel, les élections seraient probablement projetées pour le 8 février prochain. Cette élection pourrait marquer un véritable tournant au regard des frustrations observées. Alors, est-ce que l'opposition peut faire mieux qu'en 1993, où Abel Elimbi Lobé évoquait d'ailleurs les chiffres raflés au terme de ce scrutin-là? L'opposition avait fait mouche et au niveau du Parlement, on avait observé près de 90 députés, plus de la majorité relative souhaitée au sein de cette institution-là. Est-ce qu'au regard de la situation, l'opposition a pris l'enjeu des élections qui sont projetées pour le mois de février prochain et peut inverser le rapport de force? Oui, effectivement, le rapport de force peut être inversé pour trois raisons. La première raison, c'est l'évolution de la culture politique camerounaise. Les Camerounais, au regard de tout ce que vous, les médias, vous faites, commencent à s'imprégner au fur et à mesure de la culture politique, avec l'avènement des réseaux sociaux. Que vous le vouliez ou pas, vous êtes informé de l'actualité politique. Et ça crée un certain intérêt, ça crée un certain engouement. Le deuxième élément qui permettra en sorte, qui parle en faveur de l'opposition, est également la venue sur la scène politique de nouveaux visages. Il y a quelques temps, on avait certains noms qui étaient calés, on allait aux élections avec les mêmes personnes et on aboutissait pratiquement à de mêmes choses. Mais maintenant, nous avons de nouveaux visages, nous avons la venue d'une nouvelle classe politique. Et la particularité de cette classe politique est qu'elle est jeune. Et on est sans ignorer que les jeunes constituent, à moins que je me trompe, on parle d'environ 60 à 70% de la population camerounaise. Et une fois que ces jeunes ont une évolution de la culture politique, une fois que ces jeunes s'intéressent à la politique, une fois que ces jeunes, au travers des différentes personnes qui se lancent en politique, s'identifient à cette jeunesse-là, je peux aller sans risque de me tromper en disant qu'effectivement, on va assister, peut-être pas à un grand miracle, mais on va assister à une révolution.
déjà, étant donné que nous qui sommes dans les couloirs universitaires, il y a plein de jeunes qui sont entrés en politique, qui visent des postes de maire, de député, et ça va créer une certaine effervescence. Une chose est certaine, ça n'aura plus, les élections au Cameroun ne seront plus comme avant. Emmanuel Kounyé, vous avez eu très peu de temps de parole. Je voudrais que vous réagissiez sur cette deuxième thématique pour les municipales et législatives qui sont projetées. Je rappelle que votre parti, le parti de la balance, était justement le parti qui avait réussi l'exploit à faire adhérer les Camerounais au lendemain de ce retour au pluralisme politique au Cameroun et cette première élection qui avait permis aux Camerounais de, malgré évidemment le code électoral que vous critiquez violemment, avait permis à votre formation politique d'être parmi ces formations politiques qui avaient réussi l'exploit justement de dominer le scrutin au terme de cette élection et d'obtenir une majorité relativement confortable à l'Assemblée nationale. Les prochaines échéances, c'est pour bientôt. L'opposition, le SDF prépare cette élection comment? On parle de coalition, certains estiment vouloir faire cavalier seul. Votre parti pense-t-il pouvoir faire mieux qu'en 93 aujourd'hui? Je voudrais d'abord dire que quand on fait référence au passé, c'est une grande faute. Parce que par le passé, le RDPC a été surpris. Ils ont pris des dispositions. Ils ont mis un code électoral en béton. Ils ont mis les militants du RDPC dans tout le conseil électoral et dans tout le conseil constitutionnel. Ils ont verrouillé de manière à ce que rien ne soit possible. Quand j'entends Elimi dire que oui, il y a quelques sénateurs, tout, oui, ils laissent justement ça. Ça, c'est la cosmétique. Ils le font exprès. Il n'y a pas d'élection qui tienne. Ces gars-là, vous ne pouvez pas prendre un conseil électoral qui donne les résultats d'une élection. Et pendant qu'on est en train de faire le contentieux électoral, on se rend compte que tous sont des militants du RDPC. Et pendant que un des partis décrit, ils vont dans leur site pour enlever leur nom dans la liste du RDPC, de membres du comité central du RDPC, séance tenante, parce qu'ils ont honte. Tous ces gens, c'est des fonctionnaires, des agents de M. Biya, qui les a recrutés, qui les payent et qui suivent leur carrière. Donc ils sont aux ordres. Ça, c'est-à-dire que c'est des agents de service. Que ce soit le conseil électoral, que ce soit du conseil électoral, que ce soit du conseil constitutionnel. Tout cela étant ainsi, vous ne pouvez pas vous attendre à quoi que ce soit, cher monsieur. Les jeunes entrent en élection. J'admire leur courage, mais je plains leur sort. Parce qu'après ces élections, ce sont pas eux qui votent, Emmanuel. Oui, ouais, justement, ils changent les résultats. Les résultats sont faux. Vous avez vu, au conseil constitutionnel, on nous a présenté des bouts de papier où on avait mis des listes. Il n'y avait aucun procès verbal là-bas. Donc, c'est pour vous dire. Comment vous faites, Emmanuel? Vraiment, c'est pour vous relancer sur cette question. Je voudrais donc vous dire. Comment vous faites au niveau du SDF? Au niveau du SDF, nous sommes clairs à l'Assemblée nationale. Comment vous faites pour avoir le nombre de députés de conseil municipal? On fait toute la bagarre possible, imaginable qu'il y a. Nous avons 18 députés, c'est pas ce que nous devions avoir. Nous devions avoir moins 70 députés. Donc avec 18 députés, ces voleurs des urnes volent les urnes partout dans la nuit, etc. Donc c'est pour vous dire que les conditions actuelles ne permettent pas d'aller à quelque élection que ce soit. D'ailleurs, le SDF a dit, si la crise anglophone persiste, nous n'irons pas aux élections. Et je vais vous dire que s'ils font des élections dans ces conditions, oui, qu'ils aillent faire, mais qu'ils sachent que quand nous n'irons pas aux élections dans le nord-ouest et le sud-ouest, parce qu'ils sont allés faire des élections présidentielles là-bas, ils ont dit que 5%, il y a eu 5% de votants, et Limbi nous raconte, nous informe que nous avons eu 3%, mais il y a eu 5% de votants. Quand on va aller aux élections locales, s'il s'avère qu'ils vont dans une ville, et que dans une mairie, et que c'est 3% de personnes qui votent et qui disent qu'ils ont mis un maire, bon, on comprendra de quoi il s'agit, mais ce qui est vrai, ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que la situation du nord-ouest et sud-ouest est telle qu'elle est, nous n'irons pas à ces élections. Ils iront peut-être faire ce qu'ils veulent là-bas, mais qu'ils sachent que le faisant, ils consacreront ainsi la séparation, la sécession. Jean-Denis Yebga, du Manidem, ces élections qui sont annoncées pour février, hein, à moins qu'il y ait une autre prolongation, Qui se projette. Il n'y aura aucune élection en février. Il n'y aura rien en février. En ligne de mire. Nous sommes dans les projections. Je vous l'ai dit, je ne suis pas prophète, vous verrez. Les projections. Il n'y aura rien. Alors, Dieudonné Yebga, je voudrais qu'on réagisse rapidement à ce scrutin qui est donc annoncé, puisque le projet de loi a été déposé et jugé recevable par la conférence du président du Parlement camerounais. Est-ce que l'opposition aujourd'hui est en train de faire au moins le diagnostic de ces multiples échecs? Je rappelle que ce serait probablement la 16e élection qui est organisée au Cameroun. Est-ce que l'opposition aujourd'hui est capable de faire effectivement la lecture sans complaisance de ces multiples échecs et préparer de manière harmonieuse les prochaines échéances annoncées dans effectivement le but de s'imposer? Bien, au lieu de parler d'une élection municipale législative, moi je vais suggérer une autre appellation, ce sera la nomination électorale. Parce que ce qui se passe exactement, c'est que on décide de qui aura quoi. Et je vais illustrer ça parce que j'ai participé
à toutes ces échelles-là. J'ai été au bureau de vote, j'ai été au niveau départemental, j'ai été au niveau national. J'ai vu comment tout ça se passe. Voilà comment c'est structuré. Tout le monde sait que la commission locale de vote est composée de tout le monde, c'est-à-dire les représentants des partis politiques et les camps d'administration, donc tout est visible. Après ça, les PV qui sont montés sont transmis à la boîte noire, qui est le démembrement communal de l'ECAM, où tous les membres sont nommés par le directeur général de l'ECAM. Et la loi 115 du code électoral dit que c'est le seul PV qui sort de l'ECAM qui est... Voilà. Mais les commissions départementales sont les représentants des partis. Ils assistent aux travaux. Dites-le, mes présidents Yevga. Dites-le. Je vous en prie. Vous aurez votre temps de parole. Mais non. Observez une certaine retenue. Le démembrement. Tous les représentants. Tous les représentants des partis d'opposition du pouvoir sont représentants. Il dit qu'il était. Est-ce que tu y étais? Oh, monsieur. Si mon jeune frère Mandenga me permet. Oui, non. Je regardais. Je suis donc au niveau de la commission départementale où, quand le PV qui vient de la démembrement de l'ECAM arrive, nous qui étions là, 9 partis politiques, avions le même PV, c'est-à-dire un PV identique, sauf le PV de l'ECAM, qui était différent. Et le président de la commission nous dit, nous sommes là pour constater la régularité des écritures, pas faire autre chose. Donc, la boîte noire qui est l'ECAM, qui a fabriqué la nomination électorale, monte. Et dès que ça arrive au niveau départemental, on ne constate que ce qui a été fait. On ne fait plus autre chose. Au niveau national, c'est exactement... Parce que j'y ai été 2 fois dans la commission à Tangana, c'est comme ça qu'on l'appelle. On ne constate que ce qui a été fait. On ne revient plus sur le détail parce que la boîte noire a déjà tout, a déjà fait ses propositions de nomination. C'est pour ça que je propose, au lieu de dire élection municipale et législative, nous parlons pour rejoindre Elie Mbelove qui justifie pourquoi il y a tel nombre d'élus. C'était des nominations électorales, les camarades d'Elie Mbelove. Abel Elie Mbelove, sur cette élection qui est, je le dis encore, projetée, parce qu'il ne s'agit pas d'un calendrier arrêté, Abel, certains ont fustigé la loi électorale au Cameroun. Vous êtes l'initiateur de la plateforme Kautal. Avec cette loi électorale, l'élection peut-il inverser les rapports de force au cours de ce scrutin qui est projeté pour le mois de février 2020? Le consultant, et je le salue pour ça, je suppose qu'il a fait preuve ici de froideur. Il a dit que oui, on peut gagner, on peut inverser les choses. Donc je ne me bats pas pour démontrer ça. Je me bats pour démontrer que les gens qui parlent ici, d'abord, ils disent beaucoup de choses qui sont fausses. Monsieur Kounia a dit tout à l'heure qu'ils ont eu 18 députés, ils devraient avoir même 80. Vous ne pouviez pas plus que vous avez eu 30. Voici les données de l'élection camerounaise. Ça, c'est le nombre de listes. On ne falsifie pas le nombre de listes que vous avez déposées. Vous avez déposé dans tout le Cameroun. Sur 85 circonscriptions qu'il y a, vous n'étiez présent que dans 35 circonscriptions. Et les 35 circonscriptions-là, vous étiez en train de chercher 65 députés. Donc, ce SDF qui bavarde ici, qui vous dit qu'il pouvait avoir 80, sachez qu'il cherchait 65, mais il dit qu'il pouvait avoir 80. Donc peut-être que ce n'est pas la nomination alors. Voilà le genre de mauvais opposants que nous avons. Un parti politique, le Yevga, il était aux élections, sachant que c'est une nomination qui va avoir lieu. Il est allé aux élections, son parti, le Manidem, à l'époque, 2013. Voilà le Manidem. Le Manidem est allé aux élections dans la région du centre, aux élections municipales. Dans tout le Cameroun, le Manidem est allé aux élections dans la région du centre. Vous savez où? Vous savez où? C'était à Maton. C'est lui qui était la tête de liste à Maton, dans son village. C'est la seule commune du Cameroun où le Manidem est allé aux élections. Il vient ici, il a été battu là-bas. Il vient ici, il explique que c'est la nomination électorale. Ok, supposons. C'est l'ECAM
qui vous a empêché d'être présent, même dans 5 communes, même dans 10 communes, même dans 30. Vous savez combien de communes le SDF est, dans combien de communes le SDF est allé aux élections en 2013? Le SDF est allé aux élections en 2013 dans 103 communes. Quand le SDF peut aller dans 103 communes et que toi tu ne peux aller que dans une commune, tu vas imputer ça au code électoral? Voyez donc très bien la disparité des capacités électorales. Nous voyons qu'il y a des partis qui ont des capacités électorales et il y en a qui n'ont pas. C'est pour ça qu'il est obscène que tous ces partis se retrouvent pour dire que c'est à cause du code électoral qu'ils n'ont pas scié ça. Je termine en disant que en 97, en 92, le SDF n'est pas allé aux élections législatives. L'UNDP a gagné 68 députés. Voilà les lois qu'on avait. Voilà les trois lois qui régissaient les élections. Ce sont ces trois lois-ci qu'on a compilées. On a ajouté la loi portant création, organisation et fonctionnement d'Elections Cameroun. On a ajouté la loi pour le financement des campagnes électorales. On et sait la qui, loi. On sait qui. Le gouvernement. Voilà. Le gouvernement. Donc, les autres candidats. Mais mon ami, je suis. C'est bien, c'est bien. Non, quand tu dis on, il faut dire le gouvernement. C'est le gouvernement qui fait les lois et les parlementaires. Non, les parlementaires ne font pas les lois. Je sais pas le débat. Ils votent les lois. C'est pas le débat. Voilà, donc le gouvernement a fait ses lois. Cette mécanique est très regrettable parce que si je la prends, vous ne parlerez pas. Non, je suis en train de dire que lorsque le SDF revient aux élections, c'est en 97, il gagne 43 députés. Voilà les trois lois qui sont en place. C'est elles qu'on a compilées. On les a transformés en un code. On a changé où? À part le mandat impératif qu'on a enlevé. Onel 1, Onel 2, bon, etc. Ce n'est pas dans la loi, ce n'est pas dans le code. Oui, aucune loi n'a jamais parlé. Les trois lois qui ont régi les élections depuis 1992 jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais parlé des Onel. Donc vous faites un amalgame fâcheux. Vous chutez avec... Je chute en disant que donc quand le SDF a gagné 43 députés, c'était avec ces lois. Il pouvait gagner 50, il pouvait gagner 60, il pouvait atteindre 70, il pouvait être organisé de telle sorte qu'au fur et à mesure d'élection en élection, qu'il augmente sa capacité. Quand il a gagné 43 députés, vous savez combien de circonscriptions il couvrait? 67 circonscriptions électorales en 97. Quand il a gagné 43 députés. De 97 à aujourd'hui, il est tombé à 35 circonscriptions électorales. Et ça vous étonne qu'il gagne de moins en moins? Nous avons un problème. Les partis politiques de l'opposition sont faibles structurellement. Ils refusent qu'on le leur dise parce qu'ils n'aiment pas faire face à leurs responsabilités. Valérie, c'est pour ça que je t'ai mis, s'il te plaît. C'est pour ça que nous avons dit à nos camarades que laissez le code électoral. Il a des articles qui sont mauvais. Ce n'est pas la peine de venir sur les plateaux tous les dimanches demander à Biya de changer le code électoral. Il ne le fera pas. Gagnons-le avec ce code qui nous a permis d'avoir tantôt 43 députés pour le SDF, tantôt 68 députés pour l'UNDP. Faisons comme nous avons fait à ce moment-là. Faisons ce que nous avons été capables de faire pour avoir... Qui 43 députés, qui 68. Unissons-nous. Quand nous nous sommes unis en 92, à l'élection présidentielle, le candidat de l'Union a été à un cheveu du pouvoir. Avec 37 ou 39% des suffrages valablement exprimés, selon le camp où on se trouve. Si aujourd'hui, le même SDF qui a eu 37% en 92 est à 3,3%, il ne va pas accuser le Il n'y a pas eu élection, arrêtons l'histoire. Il n'y a pas eu élection. Il y a eu élection où? Abel Elimbi, on parle de l'échec de l'opposition depuis pratiquement 16 élections organisées en terroir camerounais et dresse le bilan de la faible structuration et le taux de couverture électorale de cette opposition dans notre pays qui serait selon lui l'une des raisons des multiples échecs de cette opposition et capable justement de fédérer autour d'une candidature ou d'une coalition. Le RDPC semble tirer avantage de cette situation. Est-ce que ce n'est pas l'opportunité de revoir ce code électoral? Monsieur Sandjo, le sempiternel débat sur le code électoral pour nos amis de l'opposition est équivalent à un serpent de mer ou alors à un arbre qui cache la forêt. La forêt des réelles causes de l'échec de l'opposition. Je voudrais rappeler ici qu'en septembre 2018, c'est-à-dire l'année passée, il y a moins d'un an,
le chairman John Fundi disait dans une sortie au journal des postes que s'il était encore jeune, il repartirait en bourse pour combattre avec ses enfants. À cette époque, le chairman n'avait pas compris qu'il était en train de se tirer une balle dans le pied. Parce que le nord-ouest et le sud-ouest est réputé être un bastion électoral du SDF. Donc quand ça brûle, il faut rapidement verser de l'eau et non ajouter du pétrole. Avant de revenir plus tard à de meilleurs sentiments et avoir offert ses services comme médiateur dans la résolution de la crise dans ces deux régions. Je suis stupéfait d'entendre certaines choses. Au milieu des années 90, le SDF avait raflé dans la région du littoral toutes les municipalités. L'arrondissement dont je suis originaire... Dans le département de Voury. L'arrondissement dont je suis originaire, c'est-à-dire Voury 2, nous avons eu des maires SDF qui ont été emprisonnés, certains qui ont fui, qui sont partis en exil. Monsieur Kounier, avant de vouloir essayer de faire une quelconque rhétorique de morale, essayez déjà de faire un audit de vos capacités électorales. Vous avez des premiers ministres. Maintenant, je peux continuer, monsieur. Vous avez tout un gouvernement en prison. Maintenant, juste pour continuer. Les voleurs du RPC sont en prison, la CNSF. C'est de l'inédit. Vous voyez ici, le copaniste qui m'a précédé a donné des statistiques qui sont vérifiables et qui sont vraies. Monsieur Yebga, dans l'arrondissement de la deuxième où je suis, je peux vous dire, parce qu'on sillonnait lors des présidentielles, il y avait des bureaux de vote, le SDF n'avait pas de représentants. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas déjà, vous n'avez pas déjà la capacité de mettre des gens qui vont auditer, qui vont sécuriser vos votes. Mais vous avez la prétention de venir sur les plateaux télé et faire des procès d'intention à Elecam. Je vais aller plus loin en disant ceci. Monsieur Sanjo, il ne m'appartient pas ici de faire le diagnostic de l'opposition. Je n'ai pas été mandaté pour cela. Je peux simplement vous... D'où la question. Vous avez la majorité. L'arrondissement dont je suis originaire, ça fait pratiquement... Ça ne vous donne pas l'opportunité de céder à la revendication des opposants. Monsieur Sanjo, nous sommes en politique, les armes sont politiques. Il n'est pas question de col électoral, il est question de légitimité des membres de l'opposition. Quand vous regardez les événements qui se sont passés hier à Genève, vous estimez que lorsque c'est parti, le 9 février ou le 10 février, parce que le 9 tombe un dimanche, ça sera probablement le 9 février, que c'est parti là est un zéro pointé. Parce que les Camerounais n'ont pas la mémoire courte. Ils vont se rappeler de qui a saccagé leurs ambassades. Ils vont se rappeler de qui, de ceux qui ont marché sur leur drapeau en faisant des vidéos à Mondiovision. Mais ils vont aussi se rappeler de leur frustration quotidienne. Et lorsqu'ils vont donc se rappeler de cette frustration, parce que les élections locales ont des réalités locales. Parce que ces élus locaux, ceux qui vont aller chercher les votes, ils sont connus. Ils ont des relations avec ces populations au quotidien. Donc à ce niveau, je peux vous dire, chez nous à Voury 2, le camarade de Kindi a fait une réunion pour faire un point jeudi. Et je pense que nous, au niveau du RDPC, nous mettons des stratégies en marche pour que non seulement nous ne perdions pas les acquis que nous avons, mais que nous essayons d'engager encore plus. Donc il ne nous appartient pas ici de faire des cadeaux, il appartient à l'opposition de pouvoir s'organiser. Je veux dire un mot rapidement. Ils passeront pour 1000 milliards volés pour la CAN. On dit un mot rapidement pour sortir de ce sujet, mais on va dire un mot sur la dernière dorsale parce que nous amorçons pratiquement les quelques dernières minutes accordées à ce programme, malheureusement. Et on va parler des accidents d'Emmanuel Pougnier, on va parler de la dernière qui s'est produite du côté de Banka, pratiquement dans la région de l'ouest du Cameroun, et le bilan évoqué par les pouvoirs publics faisait état de 21 morts décédés à la suite d'une collision entre le car d'une agence de voyage et un camion. Emmanuel, est-ce qu'on peut arrêter ces accidents? Je voudrais vous faire savoir que les conducteurs camerounais conduisent très bien. Très bien. Et ils conduisent d'autant plus bien que vous avez, entre Douala et Yaoundé, je prends un exemple, je peux prendre l'exemple Douala-Bafoussam, Douala-Yaoundé, en 83, on a ouvert ce qu'on appelle l'axe lourd. C'était pour lier une ville de Douala qui avait 1 million d'habitants et une ville de Yaoundé qui avait 800 000 habitants. Aujourd'hui, Douala a plus de 4 millions d'habitants. Yaoundé autour de 3 millions et presque 4 millions également. Cette route ne peut pas desservir ces deux villes. C'est-à-dire que c'est une piste de cacaouillère ou je ne sais pas quoi. Cette route est dépassée. Ce qui veut dire qu'elle ne peut pas supporter le trafic. Donc, que vous mettez les meilleurs conducteurs du monde sur ces pistes,
vous aurez des accidents. Ça, il ne faut pas chercher. C'est que le pouvoir, ceux qui nous gouvernent, vous ne pouvez, ce sera difficile. On va essayer de mettre des gendarmes partout, de mettre les radars et tout cela. Mais la route n'est pas capable de supporter le trafic qu'on lui impose. Parce que des gens qui nous gouvernent sont incapables d'anticiper sur quoi que ce soit. Ce sont des gens, je ne sais pas de quel village ils sortent, mais ils se comportent comme des gens qui vivent dans les villages et qui sont en train de gérer une république. Donc moi je pense qu'ils n'ont rien compris de ce qu'ils ont à faire. Et si les Camerounais meurent, la responsabilité unique est à ceux qui nous gouvernent. Parce que le temps est passé, la population a augmenté, ils n'ont pas pensé que les infrastructures étaient suivies. Au sujet de ces accidents de circulation, certains s'en inquiètent visiblement. Est-ce qu'il y a une méthode, une solution pour éviter que l'on ait autant de morts? Ça fait des familles endeuillées. La nouvelle expression cette semaine évoquait le cas d'un jeune homme qui a perdu et son épouse, et ses enfants, et sa belle-mère dans ce quart de voyage-là, qui était en surcharge, selon le communiqué officiel rendu public par le ministre de la Communication. Comment on fait pour éviter de tels drames? Pour éviter de tels drames, il faut d'abord identifier les causes. Pour moi, il y en a trois. La première cause, c'est d'abord nos infrastructures. Deuxième cause, c'est les véhicules qu'on utilise, leur état. Et la troisième cause, c'est le comportement de ceux qui doivent normaliser tout cela. Quand on a regardé toutes ces causes-là, on peut tout de suite dire que le système en place n'a pas favorisé l'arrêt de ces accidents. Quand on regarde les routes, M. Kouye l'a dit, un kilomètre de route coûte combien au Cameroun à comparer à d'autres pays? Qu'est-ce qu'on pense? On pense à sa poche plutôt qu'à autre chose. Ces voleurs nous disent qu'ils gagnent les élections. Regardez les visites techniques qu'on obtient par téléphone. Cela encourage quoi? Regardez le comportement. Moi, je n'ai jamais vu des gendarmes qui sont assidus au travail. Qu'il pleuve, qu'il neige, ils sont sur la route. Et je vais vous rappeler une chose, puisque moi, je fais le doigt à Yaoundé tout le temps. Il y a les agents qui captent les radars. Et il y en a qui sont là pour influencer, faire comme s'ils vous ont flashé. Ils se cachent pour vous filmer. Ils ne se cachent même pas. Ils vous montrent qu'ils vous ont flashé pour que vous vous arrêtiez et négociez. Alors qu'il n'en est rien. J'en ai déjà vu au moins 3, 4 cas comme ça. Est-ce qu'on peut améliorer et stopper les accidents? Pour améliorer et stopper, avec le régime en place, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Sur les accidents? Ce que je veux dire, c'est que quand M. Bello Bouba était ministre des Transports, il y a eu un grave accident dans la route, sur la route Yaoundé-Bafoussa. Tout le monde était mort, y compris le chauffeur. Je crois que le car était tombé dans le ravin, quelque chose comme ça. C'était un voyage de nuit. Et il a alors projeté d'interdire les voyages de nuit. Et il y a eu un grand débat. Les gens qui conduisent les voitures la nuit ont tout fait pour empêcher que cet arrêté du ministre ne soit pris. Parce qu'ils ne veulent pas renoncer au voyage de nuit. Je suis extrêmement ulcéré par la démarche que nous avons dans l'opposition. Il y a les accidents. C'est parce que le gouvernement est mauvais. Je ne fonctionne pas comme ça. Ma petite formation de scientifique me commande que s'il y a des accidents, je prends les statistiques des accidents et je regarde. La science nous apprend que tu peux regarder une évidence et croire que ce que tu vois est vrai, alors que ce que tu vois est une illusion. Vous allez chuter, hein, Abel. La vérité est souvent à 10 000 km. C'est comme ça que dans l'Antiquité, on regardait le soleil et on disait que le soleil marche. Il s'élève à l'est et il se couche à l'ouest. Puis plus tard, on a su qu'il ne marche jamais. Il ne s'élève même pas. Il ne se couche pas. Les accidents de la route, pour en savoir, concevoir la meilleure solution,
Il faut identifier les causes de ces accidents. Si la route est la principale cause, alors vous agirez sur la route. Si la principale cause des accidents, c'est le comportement du chauffeur, même si vous construisez des routes qui sont larges comme le ciel, le mauvais comportement du chauffeur entraînera les accidents. Dans un pays comme la France, où les routes sont bonnes, vous savez, quand Jacques Chirac était président, il a pris des dispositions spéciales pour réduire les accidents de la route. Dans un pays civilisé avec de bonnes routes, où des accidents mortels se déroulaient, tout le temps le nombre de morts était exécrable. Donc il faut faire le diagnostic. Donc, ce genre de production péremptoire nous montre que ce n'est pas la bonne attitude. Et je termine. Parce que c'est comme ça que nous faisons pour ne même pas savoir exactement pourquoi nous échouons. Je suis allé à Elections Cameroun. Je crois que la, monsieur le président. Je suis allé à Elections Cameroun. Voici les résultats des élections à Douala 5. 381 bureaux de vote qui est à Douala 5. Dans les 381 bureaux de vote là, j'ai regardé et nous avons trouvé que le RDPC sort premier dans 328 bureaux de vote. On peut recommencer les débats. Là où les routes sont mauvaises. S'il n'arrête pas, on va recommencer le débat. Le débat sur les élections. On va recommencer le débat sur les élections. On doit recommencer les élections. Le débat sur les élections. Valérie Mandegued est venue pour le compte du carnet caissé ce dimanche. Emmanuel Kouni était là pour le STF ce dimanche. Je vais Je remercie également Abel Elie Bielobel qui était là pour le compte de la plateforme Kautal. Je remercie le docteur Emmanuel Sonquin qui n'a pas pu prendre son dernier temps de parole. Scientifique et chercheur en sciences politiques à l'université. De Douala, merci d'être venu, merci de nous avoir suivis, merci pour vos multiples réactions ce dimanche. À dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. Au revoir.